Dans cette vidéo, nous allons créer une résidence sur le site de gestion. Veuillez vous connecter sur votre espace sécurisé. Allez sur l'onglet « Mes résidences ». Sélectionnez le bouton « Créer une résidence ». Vous devrez nommer la résidence pour pouvoir la retrouver plus tard et saisir son adresse. Vous devrez ensuite choisir le type de résidence souhaité. La résidence basique est idéale pour les parkings avec récepteur HF. La résidence simplifiée, elle, sera utilisée pour de l'interphonie avec des appartements. La résidence complète, elle, permet d'avoir plusieurs cages d'escalier et plusieurs bâtiments. Pour notre exemple, nous allons créer une résidence simplifiée. À l'intérieur d'une résidence, vous pourrez créer des appartements. Veuillez nommer chaque appartement de manière indépendante pour pouvoir les retrouver plus tard. À l'intérieur d'un appartement, vous pourrez créer des fiches et des badges. Pour l'instant, nous allons créer une fiche d'interphonie. Vous devrez saisir la ligne 1 et la ligne 2 qui seront affichées sur l'interphone. Ensuite, saisir les numéros de téléphone. La fiche apparaît dans l'appartement. Si vous souhaitez sortir d'un appartement, cliquez « Retour à la résidence ». La résidence contient également le matériel intratone. Cliquez sur « Créer un accès » pour avoir accès à la liste de matériel intratone. Pour cet exemple, nous allons créer un interphone, mais nous aurions pu également créer un lecteur de badge, un récepteur HF ou un tableau. Nous allons nommer chaque matériel de manière à pouvoir le retrouver plus tard. Pour fonctionner, nous devrons le raccorder à une centrale. Cliquez « Configurer la centrale », choisir le type souhaité. Il ne vous restera plus qu'à saisir le numéro de série de celle-ci ainsi que son numéro de contrat. Cliquez sur « Enregistrer » quand vous avez terminé. Maintenant que vous avez un accès de créer, vous pourrez créer vos autorisations. Celles-ci sont obligatoires pour pouvoir créer des badges. Des vidéos sont disponibles sur le site pour vous aider à créer ces autorisations et les badges qui vont avec.